L'élevage des porcs est l'une des activités la plus rentable en matière d'élevage par sa forte demande sur les marchés. Salut, aujourd'hui nous allons apprendre sur comment lancer et bien gérer une ferme porcine en Afrique. Si le sujet vous intéresse, on se retrouve juste après la... Bienvenue sur Yen Agro Plus. Ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de développement et autres. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous et activez la notification. Place à la vidéo. Tout d'abord, avant de lancer une ferme d'élevage porcin, vous devez tenir compte de leur alimentation, leur logement et les soins de bonne qualité. Leur qualité de production de viande fait l'objet de leur forte demande sur les marchés de viande. Voici donc les étapes pour créer une ferme porcine rentable. Étape 1. Avoir un espace agricole. Posséder un espace agricole est un investissement majeur car, c'est là que vous construirez votre système d'élevage. À savoir, le système d'enclos intérieur et le système d'enclos extérieur. Dans le système d'enclos intérieur, vos porcs sont élevés dans des bâtiments construits sous des normes conformes. Par contre, dans le système d'enclos extérieur, vos sujets sont autorisés à être dans un espace libre bien aménagé. Certes, ces deux techniques sont efficaces, tout dépend de votre fonds de démarrage. Étape 2. Prévoir une bonne infrastructure. Pour espérer avoir une bonne récolte, vous devriez être capable de mettre en place de bonnes infrastructures pour assurer l'obtention de cette récolte. Le système de drainage doit être efficace. Vous pouvez créer un petit point d'eau pour permettre à vos porcs de se baigner et se rafraîchir pour des résultats supplémentaires. Étape 3. Procurez-vous des sujets en bonne santé. Il est très important d'acheter des porcs en bonne santé possédant un carnet de vaccination respectant les conditions fondamentales. Achetez vos sujets auprès d'une ferme fiable et réputée pour éviter toute insécurité. Étape 4. Prévoir une bonne alimentation est une obligation. Une bonne alimentation favorise une bonne croissance et une bonne santé. Cela vous permet d'économiser beaucoup d'argent pour le service vétérinaire. Étape 5. Avoir un bon personnel. L'élevage de porc est une activité qui nécessite un bon personnel pour sa conduite, afin de bien gérer votre entreprise. Assurez-vous d'employer des personnes qui ont de bons antécédents, ou qui sera prêt à apprendre et à grandir dans le métier d'élevage de porc. Le problème majeur que la plupart des éleveurs de porc font face, c'est au niveau de la gestion. C'est un facteur très important, car sans une bonne équipe de gestion, vous pouvez faire chuter votre entreprise sans vous rendre compte. Voici quelques conseils pour vous aider à bien gérer votre élevage de porc. Premièrement, commencez petit. Certes, aujourd'hui, pour se lancer dans l'agriculture en général, il vous faut avoir un minimum de fonds pour démarrer, mais cela n'est pas une raison valable pour ne pas vous lancer, c'est le contraire pour ceux qui sont plus motivés. Commencez avec quelques porcelets puis grandissez avec le temps et l'expérience. Deuxièmement, choisissez une bonne race. Ce facteur est souvent basé sur la préférence des consommateurs, du taux de croissance, et de la qualité de la viande. Après avoir choisi votre race, trouvez un fournisseur de confiance pour vous en procurer. Troisième, ayez un registre pour votre ferme. Cela vous aidera à comprendre la gestion quotidienne de la ferme par les gérants de la ferme à votre absence. Elle contient les informations telles que le nombre de sujets disponibles, la quantité d'aliments restants, etc. Quatrièmement, fournir un bon régime alimentaire à vos porcs. Le taux de croissance du porc dépend à 80% de son aliment. Vos sujets doivent bien manger pour grandir rapidement, et il est toujours important de nourrir vos porcs avec un aliment équilibré pour assurer une croissance rapide. Cinquièmement, gardez une bonne hygiène environnementale. Maintenir une bonne hygiène est très important pour contrôler les maladies dans la ferme. Cela exige un nettoyage régulier de la porcherie, l'évacuation instantanée des déchets, et autres. En résumé, nous remarquons que l'élevage de porc est une activité rentable,
Mais avant de vous lancer, assurez-vous d'avoir des potentiels acheteurs pour faciliter l'évacuation de vos produits. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour atteindre des grands acheteurs et faire de bonnes affaires avec eux. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous et à la prochaine.